Yahoo Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo achat du mois de mars. Donc si la suite t'intéresse, continue. Alors en fait je vais un petit peu mentir sur cette vidéo, déjà achat du mois de mars, oui, mais pas achat de manga, mais plutôt de vêtements, de goodies ou autres en rapport avec cette chaîne. Mais je n'ai rien acheté en manga parce que j'avais, pour ceux qui me suivent sur Instagram vous le savez, mais ceux qui ne me suivent pas sur Instagram vous ne le savez pas, mais j'avais l'objectif du coup de ne rien acheter pendant le mois de mars, mais vraiment acheter que dalle. Autant pour le mois d'avril, comme je l'ai expliqué dans, je crois, ma vidéo pile à lire, le truc c'est que d'habitude j'achète entre 20 et 30 mangas, on va dire 25, et donc à chaque fois que j'achèterai un manga ça me fait un point en moins et j'essaye d'avoir la meilleure note. Autant le mois de mars c'était vraiment 0 achat et j'ai réussi. Là je vais te montrer en fait quelques trucs que j'ai acheté, boucles d'oreilles ou vêtements etc, ou peluches que j'ai acheté donc récemment et qui est en rapport avec cette chaîne. Alors juste au cas où que tu te poses la question, cette veste, voilà, c'est, y a des coussinets comme ça. Et c'est une veste panda. Mais elle date de avant que je perde du poids. Enfin, que je prenne du poids, pardon. Et du coup, oui, non, oui, avant que je prenne du poids. Mais je te mettrai le nom ici de la marque. Et j'ai vu qu'il y avait un site internet. À l'époque, moi, je l'avais acheté, je crois, à la rue Keller à Paris. Mais donc à voir par rapport au site, etc. Bref, toujours est-il, en ce qui concerne mes achats pendant ce mois de mars et un petit peu avant, hein, on va un petit peu tricher, j'ai donc eu cette boucle d'oreille en forme de panda. Attends, je vais me rapprocher. Voilà. Alors j'avais peur qu'elle soit trop grande à cause des autres trous que j'ai, mais ça a l'air d'aller. Et donc, c'est des boucles d'oreille de chez Claire's. Alors là, tu as les Ying et Yang et les pandas. Donc il n'y en a qu'un vu qu'il est là. Enfin, je dirais même plus que c'est un ours blanc qu'un panda vu les couleurs et tout ça. Oh, quoi que non, c'est bien les couleurs du panda, c'est juste que les oreilles, ils ont mis du blanc, tu sais pas trop pourquoi. Bref, toujours est-il, ça sinon ça coûte 4,99€, mais moi je les ai eu gratuits avec une promo, parce qu'il y avait une promo en fait active, et comme moi j'avais pas, je sais pas, enfin bon, je les ai eu gratuits à Claire's. Bref. Ensuite, on va continuer avec AliExpress, ou oui, j'ai acheté sur AliExpress et pas Wish, pour une fois. Et j'ai acheté en fait des serre-tête panda, donc comme celui que j'ai sur ma tête. Je l'ai acheté deux autres fois et il faut que je me le rachète encore deux autres fois. J'aimerais bien en avoir 5 pour être tranquille. Et 5 c'est mon chiffre préféré aussi. Et j'ai acheté cela. Alors je pense que je vais leur rajouter des petits yeux, tu sais, qui bougent. Comme on met pour les trucs pour enfants. Et je vais te montrer du coup ce que ça donne sur ma tête. Voilà, je trouvais ça trop mignon. Bon, ce sera pas pour... mettre pour les vidéos YouTube ou quoi, ou je sais pas, mais peut-être que pour des photos ou des trucs comme ça. Mais voilà, j'aime bien, je trouve ça sympa, ça colle avec mon look et tout ça. Ça colle bien aussi avec la veste du jour, vu que c'est une veste panda. Et ah je... Voilà, mais j'ai craqué, j'ai trouvé trop mignon. Donc ça aussi, j'ai racheté des oreilles panda tout simplement parce qu'avant, celles que vous avez vues dans les autres vidéos, en fait, sauf celles où j'ai filmé avec mon sweat vert, ben, il faut savoir que c'est des oreilles de panda que j'avais acheté à Claire's il y a quelques années de ça. Et qu'il n'y en a plus à Claire's, j'en retrouve pas. Et aussi que ben, les demi-miens, ils sont un petit peu abîmés à cause du... c'est là, c'est une espèce de ruban. Et il s'est décollé, donc j'ai recollé. Il y en a un avec carrément un long truc comme ça de scotch et tout. C'est pas pratique, ça se voit sur certaines photos vu que maintenant je suis modèle photo. Donc j'en ai racheté, donc là... dès que je vends un petit objet à droite, je me rachèterai donc deux paires d'oreilles de panda. Mais j'ai du mal un peu avec celles-ci parce qu'elles sont plus hautes que les autres. Elles étaient plus par là, tu vois. Et donc, du coup, j'ai un petit peu du mal pour l'instant à m'habituer. Mais ça reste logique. Ensuite, je vais te montrer donc des vêtements que j'ai achetés à droite à gauche. Tu as, je crois, je sais plus si je vous l'avais montré ici, mais... enfin, vous m'avez vu le porter, quoi. Un sweat rose Hunter Hunter. Voilà. Je sais qu'il est encore disponible sur le site... du coup de Jennifer, parce que là je l'ai acheté chez Jennifer. Je l'ai vu encore sur le site, moi le jour où je filme, on est le dimanche 27. Et je l'ai vu hier en faisant mes... enfin, regardant le site internet. Moi, pour moi, j'ai pris par contre la taille L et il commence à être trop grand pour moi. Très clairement, mais je l'avais acheté en novembre. Voilà. Je voulais faire un récap un peu de ce que j'avais pu acheter récemment. Et tu vois, c'est Hisoka derrière. Je la trouve trop classe. J'ai d'ailleurs fait des photos et je sais pas trop quand toi tu verras cette vidéo si les photos seront en ligne ou pas. Mais sur mon compte modèle, il y aura bientôt les photos.
Donc ça, je sais plus non plus si je te les avais pas déjà montrés, mais j'ai acheté aussi un sweat Hello Kitty qui est en trois couleurs. Tu vois, tu as du bleu aux manches et tu as du rose sur la capuche. À l'arrière, du coup, il y a le logo Hello Kitty. Et si on chipote vraiment, le bleu, rose et jaune, ce sont les couleurs du drapeau pan pour les pansexuels. Mais bon, je n'ai pas acheté pour ça parce que voilà. Bref, toujours est-il. Et donc, dans mes derniers achats, mais apparemment, lui, par. Alors, le sweat Hello Kitty, je ne l'ai pas retrouvé sur Jennifer, le site. Et je t'ai pas dit la taille, pardon. Lui, par contre, c'est un XXS, 2X. Et celui-ci, par contre, non plus, je ne l'ai pas retrouvé sur le site de Jennifer. Et pourtant, j'avais l'impression qu'il était assez récent. Donc, je ne sais pas. Parce qu'il y avait toutes les tailles dans le mien. C'est ce sweat-là vert. Avec donc un dragon dessus. Voilà, je te montre ça d'un peu plus près. Alors, par contre, j'ai du mal pour l'instant à le porter celui-ci, même si j'ai fait des vidéos avec YouTube et TikTok. Parce que j'ai pas d'accessoires de ce ton-là de vert, donc forcément je suis un petit peu perdue. Et moi, normalement, je suis full accessoires. J'aime bien avoir au moins les colliers, peut-être pas forcément bracelets, mais peut-être des bagues ou quoi assorties. Et là, j'ai rien. Donc, je suis un petit peu mal à l'aise encore avec ce suite, mais ça va le faire, hein. Et ensuite, pour terminer, j'ai acheté une peluche et elle a vraiment toute une histoire. Parce qu'il faut savoir que lors de mon quatrième shooting, je suis donc allée au restaurant avec le photographe, donc le fille. On a été à Humble à Bordeaux. Je te mettrai l'adresse dans la barre d'infos. C'est un restaurant que je te conseille à fond. Et j'ai voulu faire aussi une surprise à Luffy parce qu'on avait une amie en commun qui était temporairement pendant tout le mois de mars sur Bordeaux. Et donc du coup, je l'ai invitée aussi, mais il fallait qu'elle arrive un petit peu après qu'on soit installé avec Luffy, etc. Et donc on continue, on finit, enfin on sort du resto, on avait fait des photos dans le resto, on fait des photos dans un autre lieu. Et sur le chemin, on va sur une boutique qui propose pas mal de trucs asiatiques, des peluches, par exemple Hello Kitty, etc. Des boucles d'oreilles, mais bon, c'est des boucles d'oreilles ou des bijoux qu'on retrouve en fait clairement sur AliExpress et tout ça, donc ça m'avait un petit peu dégoûtée. Voilà. Et donc, l'invitée en question, Marine, si je dis pas de bêtises, c'est Marine, parce que Marie et Marine, à chaque fois, j'ai souvent tendance à confondre qui est quoi. Bref, toujours est-il, Marine voit des peluches en vitrine de Hello Kitty, dont Hello Kitty en collaboration avec Mortal Kombat. Donc, on rentre dans la boutique pour Marine, elle demande le prix, etc., pour le Hello Kitty Mortal Kombat, et on voit en même temps qu'il y avait une autre peluche dans les mêmes tons de couleur, mais une Hello Kitty version plus féminine. Donc une Hello Kitty en kimono orange. Voilà. Et donc en fait, comme Marine prenait le Hello Kitty version garçon, je me suis dit, moi vu que je suis un garçon, je vais prendre le Hello Kitty fille. Comme ça, en même temps, on l'aura acheté le même jour ou ensemble à la même boutique. Et en fait, ça nous fera une espèce de souvenir en commun. Donc, du coup, je me suis acheté ce magnifique Hello Kitty fille. Je crois qu'il coûtait 25 euros. Donc, c'est des prix assez normaux. Quand je vois le carton et l'étiquette, j'ai pas l'impression que ça soit du fake ou que ça soit tu sais, des trucs que tu peux retrouver sur AliExpress, etc. Mais. Voilà, il faut savoir qu'il y a des trucs, je pense que c'est du officiel, et il y a des trucs, par contre, je pense que c'est des trucs que tu retrouves très facilement sur AliExpress pour beaucoup moins cher, parce que je le redis, j'ai présenté sur ma vidéo eBay World de mes achats. Je te mettrai, parce que ce sera la dernière postée, donc je pense qu'elle sera déjà en ligne au moment où toi tu vois cette vidéo. Mais donc Marine a voulu aussi m'acheter une paire de boucles d'oreilles à ce moment-là, une paire de boucles d'oreilles en forme de fraise. Je les ai retrouvées à 1 ou 2 euros sur AliExpress et Wish. Et toutes les boucles d'oreilles qu'il y avait là-bas, c'était et colliers et compagnie, c'était que des trucs comme ça que tu retrouvais sur AliExpress et Wish. Donc ça m'a un petit peu blasé parce que tu sais plus si tu dois faire confiance réellement à ce site ou pas. Et donc voilà. Bref, toujours est-il, voilà en ce qui concerne donc mes achats et je n'ai donc pas acheté de manga ce mois-ci. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire savoir en like, en commente ou en partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te remets tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos parce qu'il y a eu pas mal de changements ces derniers temps et c'est clairement bordélique au possible. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure, ma précédente vidéo achat et ma précédente vidéo sur la chaîne. Sur ce, à bientôt!